Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure américaine, toujours évidemment sur Far Cry 5 et nous en sommes à l'épisode 8. Quel plaisir de revenir sur ce jeu. À chaque fois je lance Far Cry avec un immense plaisir, ce jeu est juste énorme, je kiffe. C'est ça Far Cry, c'est lancer, être face à l'imprévu et en prendre plein les yeux. En plus, en Amérique, alors ça c'est quand même assez incroyable. Merci à tous encore une fois de mettre autant de likes, de mettre autant de commentaires, de discuter autant. Vous êtes incroyables, vous êtes beaux sauf un. Voilà, il y en a un dans les commentaires, il est pas très... Il se reconnaîtra, moi je dis pas de nom, vous savez j'aime pas balance. Je suis pas une balance les gars, je dis pas de nom, il est temps d'aller récupérer par contre un frérot. On dit que les chiens sont les meilleurs amis de l'homme. Je vais donc récupérer mon meilleur ami qui s'appelle Boomer. La ferme à citrouille. Boomer perd complètement la tête. Je sais pas quoi faire. Eh ben, hé, j'ai été dans l'éducation canine. Je m'en occupe totalement, les gars. Il y a aucun souci. C'est pas où? C'est pas ici, Boomer. On va donc aller récupérer Boomer, le chien qui pourra nous aider. C'est comment dire? C'est l'élite. Là, les personnes qu'on va libérer, c'est l'élite. C'est-à-dire que il y a des mercenaires que l'on peut recruter. Hein, vous l'avez vu. Bah lui, il est au-delà. Qui est mercenaire et tutti quanti. Hop, ça dégage. Hein. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait une bêtise. Je sais pas si j'ai fait une bêtise, mais il avait l'air de puer la mort. Hein. Je l'ai pillé totalement. C'est une peau de moufette. J'ai tué une moufette. Hein. Je sais pas si c'est ouf. Hein. Vous tirez un bon prix de vos peaux d'animaux. Ouais, ça a l'air ouf. Allez, on est parti, les amis. Ah oui, j'avais bien. Alors, j'avais bien un commentaire. Ça m'a vexé. Ça m'a vexé, je vous cache pas que j'étais pas... Je me suis pas énervé parce que moi je suis adorable, hein. Vous savez que dans le Montana, à part des coups de perle, je mets pas grand chose, hein. Bon, des fois je vous lave le cul un peu, je vous mets ce que vous méritez. Mais là où j'ai été vexé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dit B-Boy, tu crois qu'on l'a pas vu ton cut? Parce que t'as été sur internet vérifier la solution. Vous savez, quand j'ai tourné un petit peu autour du garage. Alors, je vais être très honnête avec vous. Déjà, ça je vais lui rouler dessus, hein. Je vais lui mettre ce qu'il mérite, hein. Biche! Elle est là, elle est... Oh. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je déteste les animaux dans n'importe quel jeu, ça me fait toujours un petit passement au cœur. Appa, oh là là. Chasser des animaux pour récupérer leur peau et des appâts. Équipez-vous d'un appât à l'aide de la roue des armes, hein, on connaît, d'accord. Lancez-le comme si vous lanciez un couteau. D'accord, cette fois-ci, il y a des appâts. Très bien, je savais pas qu'on pouvait carrément chasser des animaux. Donc... Il m'a dit, ouais, B-Boy, figure-toi que on a vu ton cut et t'as été voir la solution internet. Non, je n'ai pas été voir la solution internet. J'ai bien évidemment le rush complet. C'est pas un problème. Si vous voulez, je peux perdre 5 minutes pour vous montrer le rush complet. Mais dans ces cas-là, vous perdrez 5 minutes d'un nouvel épisode. Et je suis pas sûr que vous soyez d'accord pour ça. Ça dégage, hein. Ça dégage totalement. Ça dégage totalement. Je suis pas sûr que vous voulez perdre 5 minutes. Mais si vous voulez vraiment le voir, il n'y a pas de souci. Après, hey, j'ai rien à prouver, hein, on est là. Oh, mais vous savez que j'aime bien montrer ma bonne foi. Et puis clairement, aller sur internet pour un seul trésor sur Far Cry, c'est pas ouf. T'imagines que j'ai tapé quoi, frère, sur YouTube? Trésor numéro 4, hein, sur Far Cry 5, jusqu'à trouver le bon endroit. Attendez, hein, parce que je vais prendre ce que je mérite. Hop, c'est bon, ça dégage, hein. Donc on disait, excusez-moi les gars, oh, il vous faudra un grappin pour y accéder. D'accord, vous savez quoi? La vie de moi, j'achète. C'est où? C'est où? C'est où cette connerie? Ah c'est là, c'est à 40 mètres. Ok, stop! Repense à tes mômes. Quoi, tu me parles? Maître Gims, les gars, le maître, hein, vous connaissez. J'ai déjà le grappin, j'ai 10 points. Oh là 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 là. Il faudrait que j'ai de quoi porter une arme supplémentaire. Bougez pas. Wingsuit, ok. Réparation, d'accord. Ah, porter une troisième arme. Allez, boum, 8. Ça, j'achète. On a une troisième arme, hop. Ça, c'est fait. On a tout ce qu'il faut, les gars. Là, clairement, je suis une machine. On est parti. On prend la tyrolienne. Et on a pris les ors. Ah, mais c'était là. Souvenez-vous, on était passé par ici. Quoi? Non, t'es sérieux? Allez, on y va, les gars. C'est parti. Oh là là, mais c'est énorme! Ça me paraît loin, cette connerie. Hein. Attends. Les gars, je sais bien qu'on est en Amérique. Ah! Désolé, j'ai chié total. C'est. Ah!
Ok, c'est pas mal. Mec, les gars, on peut faire énormément de trucs là. Hein. Ah! Oh putain! Oh, que Jésus bénisse l'Amérique. J'ai été sauvé. C'est un signe. Ok, on y va. America! Fuck yeah! Non! Ah! Oh, ce bruit de rotule dans mes oreilles! Oh non, mais qu'est-ce qui. Mais à quel moment j'ai échoué? Quel moment j'ai échoué? Ce bruit de rotule, vous savez quoi? Au montage, je vais monter un petit peu le son. Non, mais pour que, comme moi, vous ayez le même bruit dans vos oreilles. Allez, on est reparti, cette fois-ci, déconne pas. Je crois qu'il va falloir faire une petite pause un moment. Hein. Je crois qu'il va falloir faire une petite pause parce que je me presse peut-être un peu trop. Ah, j'étais trop court là, si je puis me permettre l'expression. Ok, c'est pas mal. Mais qui c'est là? Qui c'est qui prend ce qu'elle mérite? Ok, c'est deux chiens qui se battent. C'est pas mon problème, les gars. Allez, on est reparti! America! Fuck yeah! Ok. Mec, tu peux grimper, il peut tout faire. Cette machine est un monstre. Ok, c'est bon, putain de merde. Oh non, dis-moi pas que c'est en bas. Ok, c'est bon, on peut passer par ici. Aucun souci. J'ai eu un petit moment de doute. Après, on va chercher Boomer, les mecs. Ah! Tout ça n'était pas prévu. Allez, mon pote, ça c'est fait! Fripouille! On adore les fripouilles ici. Boum, 3 points de compétence. Qu'est-ce qu'on a? Boum, j'ai pris de l'origan. C'est toujours bon. Un petit peu d'origan comme ça sur le saumon. Toujours agréable, hein, d'accord? N'oubliez pas. Et j'ai. Oh! Oh, les gars, je suis désolé, mais. Mais c'est l'arc, les mecs. Après, j'ai un sniper, mais. Mais Far Cry, c'est pour moi, c'est à l'arc, tu vois, c'est ce qu'on vit là. Allez, ça, on prend. Hein. On prend en raquette totalement. Je suis désolé. Je sais pas qui vivait ici. Quoi qu'il arrive, il a ce qu'il mérite. Hein. Je suis désolé, Far Cry, c'est à l'arc, les gars. Ok, couteau de lancer, j'en ai déjà plein. Par où on se casse? Ça sent la bêtise. B-Boy va faire une... Oh oui. Grâce à mon entraînement totalement américain. Yes! Ok, c'est pas mal. Eh, c'était certes la descente la plus ringarde du monde, mais on descend en toute sécurité. Et ça, j'achète. Allez, on est parti. Putain, la prochaine fois que je redis ça, chez moi. On a un chasseur ici, ouais. Oh, attends. Non. Ça te dit, j'ai du boulot pour toi. Non, j'ai pas besoin de boulot, gros. Moi, je veux aller chercher Boomer. C'était une promesse, j'ai dit mon chien. J'ai fait 8, 7 épisodes sans toi. Le 8e, c'est totalement pour toi. Qu'est-ce qu'il a, lui? Tu vas te calmer, toi, petit, hein. Oh! Oh calme-toi. Ça va, madame? Qu'est-ce qu'elle a fait? Arrêtez, madame. Madame! C'est rien, c'est rien. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça dans la savane? Oh, c'est terrible. Elle a pris ce qu'elle méritait. Non, elle courait, hein. Elle est tombée, elle a fait ma vie est nulle. Laissez-moi tranquille. Ah, mais si c'est ça, une vie au Montana, se faire enculer par un guépard en plein air, c'est quand même assez terrible. Après, s'ils ont fait, c'est qu'il doit y en avoir, hein, je pense. Hein. Dans les grands. Les grandes plaines. Oh, mec, tu chantes trop bien. Mec, ça va? Bah, ça va et toi, mon frère? Je suis obligé d'être manu. Mec, tu me fais rêver. Ouais, vas-y. Yes. On chante ensemble, s'il vous plaît. Oh. There are frail forms fainting at the door. Ouais, a cappella, c'est ce que je peux faire. Vas-y. Mec, c'est stylé. Mec, on est trop bien. Mec, tu me fais rêver. Oh, tu me regardes avec ces yeux de biche en plus. On va se pécho, toi et moi, hein. Tu le sais, hein. Tu sais que ça va partir en couille très vite. Oh, ouais. Oh, yeah. Yeah, ça, c'est Montana, ça. Oh, mais... Il faut respecter le pasteur Jérôme. Et continue de jouer en même temps. On entend plus la guitare. Pour passer à l'action. Je le veux, hein. Non, mais les gars, lui, je le veux, hein. Toi, je retiens. Je suis désolé, frérot. Tu pues la merde. Mec. Je te veux.
peux compter sur moi. Oh, oh mec, lui il a zéro discussion, il s'en bat les couilles. Je le garde. Je veux un musicien dans mon. Je veux un musicien dans mon équipe. Toi frérot, je t'engage pas. Attends, j'ai envie de faire un truc drôle. Si je fais. Si lui je le renvoie. Non, elle c'est une sniper. C'est toi je te renvoie. Comme tu veux. Est-ce qu'il va se réinstaller, il va jouer normal. Oh non, c'est tellement dommage. Tellement dommage. Bon, il s'en va. Il s'en va en quad, je l'ai vexé. Tiens, d'ailleurs, attends. Hop, je peux monter derrière toi. Mec, c'est énorme. Arrête, tu vas où? Les gars, c'est n'importe quoi ce qui se passe. J'ai pas eu me faire embarquer par un musicien. Mec, c'est énorme. Il m'a fait kiffer, hein, par contre, hein. Je tiens à vous le dire. Vraiment, sur le coup. Il m'a fait rêver. Alors, bougez pas, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. Ok. Et ok, c'est totalement ça que je voulais faire. Je voulais vérifier le raccourci des armes. C'est bon, on est pas mal. Ok, allez, on y va les gars. On est près de Boomer. Je vais la jouer arc. Parce que franchement, quoi? Qu'est-ce que c'est? Un dindon? Il m'attaque? Mais il m'attaque ce dindon! Désolé dindon. Il m'a attaqué, hein. Vous l'avez vu, hein. Vous l'avez vu. Il poussait. Putain, le bruit de... C'est vrai que les bruits de dindon, c'est ça en plus, hein. Ok, Boomer, t'es où? Ah! Quoi? Ah! Wesh! Patate! Patate, mon gars! Qu'est-ce qu'il y a? Hein, tu fais moi ton malin, là, hein? Tu fais pas ton lascar! Boomer, il est où? Je les marque. T'es où, Boubou? Boubou! C'est la ferme à citrouille. On y est. Ok, c'est là la ferme à citrouille. C'est totalement. Oh mec, tu boites. Non, je t'ai fait mal. Je suis obligé, j'ai pas le choix, frérot. Oh non! C'est horrible! Allez hop. Ok. Oh ouais, il boit toujours plus, les gars. Les gars, y'a Boubou, hein. Y'a Boubou. Ok. Ok. C'est Boubou. Hop, on prend. Alors, mon pote. Tu sais, ici. C'est coup de perle! Bien joué, mon Boubou. C'est rien, mon pote. Mec, toi t'es un monstre! Toi t'es un monstre! T'es mon frère maintenant! Je te kiffe, mon Boubou! Ça, c'est fait, le meilleur ami de l'homme! Ça, ça fait plaisir! Les experts sont des mercenaires ou des animaux disponibles après avoir terminé leur mission. Ils sont plus puissants et leurs capacités sont disponibles dès le départ. Chaque expert peut être amélioré à l'aide du menu talent. Pour réduire son délai d'apparition. Boubou, je suis tellement content de t'avoir dans l'équipe, mon frérot. C'est un truc de ouf. Vas-y. Non, c'est rien. Boubou, t'es où? Attends, Boubou, on a du monde. Le pasteur Jérôme ne sait pas ce qu'il fait. Il est égoïste. Un véritable homme de Dieu n'aurait pas été abandonné par ses ouailles. Malgré tout, officier, tu confesseras tes péchés. Car telle est la volonté du père. Le père, je baise. Bouffe-le. Alors mon pote, ici tu sais comment c'est. Ici c'est coup de perle. Je suis fier de toi, frérot. Toi t'es un monstre, t'es une machine. Allez viens mon pote. Viens, tu sais quoi? Viens, monte avec moi. Il peut monter ou pas? Ce serait génial. Viens Boubou. Monte putain. Viens avec moi. Oh Boubou, tu veux pas? Tu veux pas monter? Attends, si je klaxonne. Il s'en bat les couilles totalement. Il est en battage de couilles complet. Bon, elle, on saccage son champ, on s'en bat les couilles. Hé hey, ça les mecs. Ça c'est fait, on a Boubou les gars. Oh j'ai pris un arc. C'était violent. Allez, ça dégage hein. J'ai pas le temps pour toutes ces conneries, moi je vous le dis hein. Hop, ça dégage, t'es où Boubou? Vas-y, viens là.
Je sais pas ce qu'on a d'autre, mais là on a été Oh, c'est des pommiers. Je connais bien cette spécialité de fruits. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Boubou, c'est fait. Ici on a un quintard, d'accord. Ici des voitures. Et ben c'est fait, on a récupéré Boubou. J'hésite à aller à Rise and Sons Aviation. C'est nice. Ou alors faire une quête. Donc vous savez ce qu'on va faire? On va aller à Falls End. On a un magasin d'hélico carrément. On va aller à Falls End et on va faire cette quête, je pense. Allez, on va voyage rapide. On va faire la quête que je n'aime pas. Allez, on est parti. Direction, hop, c'est rien. Direction Falls End. On va aller récupérer notre truc américain. Je sais pas vraiment si on peut le récupérer ailleurs, mais c'est pas grave. Non, ça va, abuse pas, gros. Hop, j'y vais, hein, je coupe. Hein. On passe à travers champs, ça passe normalement. Je connais bien ici. Donc on va aller récupérer le truck américain pour que ça soit beaucoup plus rapide pour faire la mission. Ça passera pas. Ça passera pas. C'était évident. C'est pas grave. On a gratté quelques mètres précieux plutôt que de faire tout le tour. Forcément le GPS n'est pas très intelligent. Puis bon, un GPS qui te conseille d'aller dans un lac, c'est pas ouf. Je sais pas combien tu l'as acheté, mais oh, remarque, ça peut être un GPS américain, mais ça s'arrête là, quoi, tu vois. Donc on est parti, on va à Falls End. C'est vrai que ça fait de la marche, hein, mine de rien, toutes ces conneries. Hein. À chaque fois, c'est assez terrible. Ah, il y en a pas un petit truc. Ça pourrait être cool. On a rien. Oh, un terrain de. C'est dommage qu'on puisse pas jouer. En même temps, j'ai pas d'amis. J'ai jamais eu d'amis dans le Montana. Et ça, c'est triste. Rigolez pas, je sais que vous rigolez. Mais ça, c'est super triste. Quand tu penses, c'est vrai qu'on a jamais d'amis dans Far Cry. On se sent seul. On a des mercenaires. C'est pas tes amis, tu vois. Alors que pourtant, t'as quand même sauvé un pays. Il s'est passé quelque chose. T'as sauvé une région, tu vois. Allez, on est parti. Direction le trucks. J'espère qu'il. Oh, Boomer! Qu'est-ce que t'as fait, mec? Tu t'étais peu ou quoi? Tu me fais rêver, bébé. Je l'avais garé, hein. Je l'avais garé ici. Oh non, ça a disparu depuis la save. Bon, lui, il ressuscite comme Jésus de Nazareth. Aucun souci. Salut, frérot. Dis-moi que je peux appeler le trucks parce que sinon, je vais tout brûler, hein. Les gars, j'annonce, hein. Moi, si j'ai pas le trucks gratuit, si je le paye, je brûle tout, hein. Ah, yes, c'est bon. En stock. Ils ont en stock. On peut le personnaliser, tu déconnes. Oh, vase! Allez, je prends. Je prends. Windowmaker! Ça sert plus à rien, mec. Il est tellement magnifique, ce truck. On est parti. D'ailleurs, je crois qu'on dit truck. Un truck, ça se dit. Ou on dit toujours trucks. Parce que moi, j'ai mis toujours trucks. Ah! C'est rien. Tant que c'est pas le chien qui prend ce qu'il mérite. On est parti, les amis. Direction. La direction 500 mètres! On va leur mettre ce qu'ils méritent à ceux-là! Allez, ça dégage. Hein. J'ai pas le temps pour tes conneries. Ça, c'est les propriétés. Ah, d'accord, barrage routier carrément! Ok, on va pas faire de hors-piste. Hein. Sinon, on est mort dans le film. On va calmement à la quête. Ah non, mais un avion, les gars. Non, abusez pas, les mecs. Vous abusez de ouf à chaque fois, vous faites les ricains. Ok, j'ai tout pété, hein. Ok, on se rapproche, je sais pas où c'est. C'est inquiétant. Ok. Bon, j'ai voulu tenter un truc, c'est parti en couille. Quoi que, hé. Hey. Hé, hey, c'est cadeau, c'est Bibi qui régale, hein. Regardez bien. Oh merde. Allez, hein, c'est Bibi qui régale, ça dégage. Boomer, tu fais quoi, frérot? Tu montes? Un silo, ça c'est fait! Mais attends, le point se déplace! Ok, cette sombrerie. Ok. Oh, j'ai fait une grave erreur. Hein. J'ai fait une grave erreur. Non, non, non. Ok, d'accord, j'ai compris. C'est pas du tout le chemin. C'est terrible. Désolé, les gars, désolé. Désolé, j'ai été perturbé. Non, Boomer! Je t'ai rien fait. C'est pas grave, il reviendra. J'ai confiance en Boomer. Ok, 300 mètres. Ah ouais, ça se déplace. Hein. Ça se déplace totalement. On est parti, on continue. Ah ça c'est la... Je préfère me débarrasser de cette quête de mort, tu vois. Parce que clairement, c'est pas mon délire. Hop, ça dégage. Bon, messieurs, c'est ça le convoi. Allez, ça c'est fait. Hop, ça dégage totalement. J'ai arraché tout le monde. Il n'y a plus personne. Hein. Ok, maintenant, direction 200 mètres.
Ok, on va rester sur la route. Attendez, bougez pas parce que c'est terrible. Direction. Non, c'est pas 200 mètres ça. Hein. Je m'y connais, hein. Je m'y connais en. 2000 mètres! Ah, pardon. 2000 mètres aussi. Oh ouais, c'est terrible. Allez les gars, à tout à l'heure. Je vais faire la route calmement. Oh, et la voiture est cavale après un. À tout à l'heure, les mecs! Allez, on est parti, on visite une région un peu inconnue, on se rapproche, on n'est plus qu'à 700 mètres. Ça va vite, hein. Ça va vite qu'on compte. Oh bah lui, non mais lui. Ouais, non, il a pris ce qu'il méritait. Non, les gars, franchement, moi, on m'a toujours appris à regarder à gauche, à droite avant de traverser. Ok, là, on a une petite quête. Peut-être pas très intéressant pour le moment. Donc, on fait tout le tour, on est à 500 mètres. On y est presque, regardez. On n'est jamais passé par ici. Là, on a monté tout ça. Et on y est. Oh. Attends, je crois que c'est sur un terrain. Oh, qu'est-ce que ça fait, toi? Hop, désolé, je t'ai mis ce que tu mérites. Oh, gros. Oh, il s'est pas arrêté de pisser, le mec. Ouais, je sais pas par où je dois passer. Là, je vous avoue, je suis un petit peu dans le doute, si je puis me permettre. Oh, mais ouais, mais putain, il fait tout le tour, ce connard. Oh, ça a duré 2 heures. Hein. Ça va être terrible. Une vache. Ok, des otages, on n'a pas le temps, hein. On n'a pas le temps. Ok, c'est par ici maintenant. Ouais, mais s'ils avancent aussi, les mecs, on est mort. Aïe. Oh la vache, bien joué à lui. Il a réussi à me mettre ce que je méritais. Et l'autre, il est à 2000 mètres, c'est terrible. Hein. Voilà. Ah. J'ai pas fait tout ça pour rien, quand même. J'ai pas roulé une demi-heure pour rien. Non, quand même, les mecs. S'il vous plaît, un petit peu de respect. Là, les gars, on s'est à me casser les couilles. Oh non. Allez, ça dégage. C'est bon, je te laisse. T'es plus gros que moi. On va pas déconner. C'est où? C'est... Ok. Ok. Non, je suis mort, mais j'ai réussi, je crois. Je suis mort, mais j'ai réussi, putain. Allez, s'il vous plaît, déconnez pas. J'ai pas envie de la refaire 10 000 fois. Oh, j'ai pas réussi, je vais tout brûler, les gars. Putain, là, les gars, je suis à deux doigts de m'énerver. C'est comme dans GTA, tu vois, les missions en convoi, c'est vraiment le truc que t'aimes pas faire. C'est le truc qui pue la merde. Putain. C'est pas vrai. Vas-y, je vais aller là, au moins, il y a un garage. Hein. Allez, hop, pas les couilles, hein. On va reprendre le window maker, mes couilles là. Et quand je suis énervé, faut pas rester par ici, hein. Là, je vais tout brûler là. On est à côté d'un convoi. J'ai repris le window, le truck, parce que c'est un enfer. Et là, je vais tout faire péter, putain. America! Fuck yeah! Parce que là, j'en ai marre. Non, attends, il reste vraiment le gars du milieu. Eh, là, vide-moi. Pas vrai! Alors mon gars, y'a quoi là? Y'a plus personne là, hein. On l'entend moins votre grande gueule. Allez, on est parti pour le dernier convoi. Cette mission des enfers. Ok, c'est par où? Ça va frère, ça va. Allez, j'en ai marre. Je vais prendre un véhicule comme ça. Et la vie de moi, regardez bien. Je vais tout faire péter, je rigole zéro. Déjà, ça, on confectionne très rapidement. C'est un peu mon fils, ma bataille. Et ça... Ouais, je pense que je vais prendre ça. On va confectionner aussi de la dynamite. Ok. J'y vais à la dynamite, hein. J'y vais à la dynamite. Là, on m'a vraiment pris pour un connard. C'est à 900 mètres. J'y vais à la dynamite, putain. Plus personne peut m'arrêter, là. Oh, les gars, vous allez pas me tirer dessus, les mecs. j'en ai marre. Mais il est où? Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, à l'autre bout du monde. Non, ça va, stop. Arrêtez, je vous ai dit. Le mec, il vise mieux que n'importe qui, putain. Arrêtez. Je vais m'énerver. Je suis à deux doigts de tout brûler, bordel. Arrêtez! Oh, j'ai envie de descendre. Hein.
J'ai envie de descendre, hein. Je suis à deux doigts. Ça peut se dérouler très très vite, hein. Oh putain, ouais, carrément, putain, vous êtes carrément là-bas. La vie de ma mère, j'arrive. J'ai jamais été aussi énervé et déterminé. Jamais été aussi énervé, je vous ai dit, hein. On va régler ça, la dynamite. Ça va être entre vous et moi, putain. Vous entendez le Montana? Je brûle tout, j'ai dit. Attendez, c'est où? Ouais, je suis désolé. Oh non, mais l'enfer. Ok. Hors piste, hein. Hors piste, j'en ai rien à battre, hein. J'en ai rien à battre, je vous ai dit, hein. Là. Je vous ai dit, hein. Je vous ai dit que j'en avais plus rien à battre, putain. Je vous ai dit que j'ai jamais été aussi déterminé. Attends, c'est où là maintenant? Ok. Ok, mon pote. Ok, mon pote. T'es juste de l'autre côté, t'inquiète pas. Toi, je te laisse, calme-toi. T'inquiète pas. Hein. Tu veux voir c'est quoi un gars déterminé, hein? Tu veux voir c'est quoi un gars déterminé, hein? Tu vas voir, mon gars. Tu vas voir. Vous m'avez fait vivre un enfer! Tu vas voir! Putain! Vous avez voulu me faire vivre un enfer, bordel! Donnez-moi les 1 500 $, vite! Toi là, toi tu vas t'arrêter, mon pote. Toi tu vas t'arrêter, toi. Là, je commence à en avoir ras le cul. L'Amérique, c'est à moi, putain. Ouvrez-moi ça. Waouh, c'est quoi ça? Je commence à en avoir marre. Je vous ai dit. Je vous ai dit que j'avais de la patience, malgré les épisodes. Je vous ai dit que je vous aimais tous. Je vous ai dit que j'aimais l'Amérique. Je vous l'ai dit, putain. Je vous l'ai dit ou pas? Dégage de mon chemin. Est-ce que je vous l'ai dit? Je vous ai dit quoi la dernière fois? Je vous ai dit quoi la dernière fois? Je vous ai dit quoi? Quitte à crever, je suis là, mon pote. Je vais tout brûler, bordel. Allez, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. J'espère que cet épisode survolté vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. C'était l'épisode 8 de notre aventure américaine. Et là, je peux vous dire que clairement, les mecs, bah, ils m'ont fâché, bordel. Allez, à très bientôt, n'oubliez pas de j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.